pour faire la promotion du nouveau film dans lequel elle joue, une brève histoire d'amour du XXe siècle, Corinne Touzet, qui avait révélé qu'elle adorerait être grand-mère, était sur le plateau du Buzz TV, ce mardi 20 juin. Au cours de l'entretien, l'actrice de 63 ans s'est livrée à cœur ouvert sur sa carrière, expliquant qu'elle a refusé des rôles récurrents dans des séries bien connues du grand public, Demain nous appartient et ainsi Grand Soleil. On me les a proposées ces séries, mais seulement pour un rôle de flic, donc non, a-t-elle indiqué la maman célibataire, avant de préciser qu'elle préférerait revenir avec un personnage complètement décalé ou aux antipodes de ce qu'elle a déjà fait. Comme ce que fait Audrey Fleurot dans HPI. Si est-il le Saint Graal, elle s'éclate, elle a tout à jouer, a-t-elle ajouté. En même temps, il faut dire que Corinne Touzet reste encore très attachée à un personnage qui lui colle à la peau, le lieutenant Isabelle Florent dans la série Une femme d'honneur, qu'elle a interprétée entre 1996 à 2007. Il y a beaucoup de mois de l'actrice de 63 ans s'est livrée à cœur ouvert sur sa carrière, hit ma volonté, a-t-elle révélé lors de son interview, avant d'ajouter que la série était encore très présente dans sa vie et celle des autres comédiens, on est fiers du boulot qu'on a fait. Point, si est-il sentimental et je vais vous dire la vérité, il n'y a pas un jour où, dans la rue, les gens ne me parlent pas d'une femme d'honneur. Corinne Touzet cache sur son rapport à la notoriété, les courses au supermarché, c'était un peu compliqué au cours de l'échange, Corinne Touzet s'est confiée sur son rapport à la notoriété, expliquant que le succès de la série Une femme d'honneur avait fortement pesé sur son quotidien. Les courses au supermarché, c'était un peu compliqué. J'avais ma puce qui était dans le caddie, et je n'aimais pas trop qu'on la tripote. A-t-elle révélé. Néanmoins, l'actrice relativise et est heureuse que cette période soit passée. La chance qu'on avait, si est que ce n'était pas la mode des selfies, des téléphones portables. Ça doit être compliqué pour les stars d'aujourd'hui. Les gens vous disent à peine bonjour, a-t-elle conclu. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Best Image.